Bon, allez, vous êtes prêts, les gars? Allez, go. Attention, la merde. Wouah, c'est méga trop beau. Putain, là, maintenant, y a tous les types qui sont aux alentours qui se ramènent, là, les gars, je vous le dis. J'ai rien à foutre, j'ai un putain de fusil. Putain, oh, putain, c'est trop classe. C'est stylé. Les gars, la lumière, ça, c'est les aliens, ça, tu vois, ça, c'est les aliens. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Les aliens. Ah, mais en fait, on est quoi? Tu en as d'autres, des munitions, ou pas? Parce qu'on a pu les garder. J'en ai 4. 4 ah, munitions. Parce que ça peut toujours servir si on est perdu. Allez, attrapez la lumière. Oh, ouais, ok. Ok, message reçu, d'accord, merci. Oui, voilà. Ouais, putain, tant mieux, au moins j'ai pas. Au moins j'ai pas usé de balles. Sur un sort comme ça, tu vois, là c'est l'aube, c'est l'heure où il y a le plus d'exécution. Ouais, avec un petit sporteur par terre, là j'adore. Moi je suis trop rapide, moi. Sporteur 22. C'est bon, les gars, j'ai un 22 long rifle. Chargé, wouh! De leur rifle, ben. Je le dis direct, si on descend sur la côte, Cyril, t'es con, tu pas et on laisse crever comme. On va tirer dessus! Bah. Les gars, j'ai même trouvé un piège à ours. Carl. Les gars? Le mec, c'est le mec dangereux avec son, son fusil de merde, hein. Le sportif, la, la. Ah, ça a tiré. C'est encore moi. C'est Carl. Ouais, j'ai mis. Non, Carl, arrête si ça saute ce truc. Bon, bon Cyril, tiens, on pense à la même chose en même temps. Bah, c'est évident, je veux dire, on se fiche. Y'a que ça à penser en même temps là. Ne tire pas sur les mines, Carl, si c'est ça que tu avais. Oh, ouais, j'ai fait ça. Oh, ouais. Putain, t'as des idées de monstre. Oh putain. Par contre, éloigne-toi. Quand ça saute, c'est comme les grenades, ça. Genre, tout le bâtiment là. Et bon, bah, bien joué, marche, marche dessus. Hein? Ah merde, je suis. Carl, éloigne-toi. Oh putain, je crie que c'était la voiture là-bas. Oh le con. Carl, tu devras encore t'éloigner. Ouais, mais après, Carl, réponse Cap, j'ai dû créer un compte et tout. Quoi? Qui, Cyril? Ah, mais lui. Ah, mais ça fait que dalle. Cyril, j'ai un sporteur 22, je tire sur tout ce qui bouge. Bah, écoute. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool, il va te tirer dessus. C'est tout. Bah, on est toujours au même endroit, tu veux que je. Attends, ouais, ouais. Attends, le monsieur est désagréable alors qu'on l'a attendu ce connard. Ouais, c'est clair, on l'a dit merci et tout, là. Tu tires sur tout le monde alors que vous êtes toujours. Oh putain, y'a une qui a pété. J'ai pété une vitre. Oh merde. Oh, attends, le sport. Putain, oh merde, ah, je suis trop indélinquant. Ah, je vois Cyril. Non, mais moi Cyril, je vous vois pas, donc pas de coup chaud parce que je vous vois pas encore. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Je veux. Le meilleur flingue, c'est moi. Bon, bonne année, gaz. Oh, qu'est-ce qu'on peut casser les vitres? Moi, je suis indélinquant. Mais c'est tout cassé. Surtout que le macaron, faut l'entendre à 20 km. Bon, allez, venez, on se casse. Allez, on commence notre aventure. On commence notre aventure. Les 4 survivants. Elle. Qui c'est qu'il y a un? Est-ce que tu as des balles de Magnum? Moi je suis rebelle, moi. Est-ce que t'as des balles de McDonald's? Ouais, est-ce que t'as des balles de McDonald's? Est-ce que t'as de la place dans ton sac? Oui. Tiens, prends ça. Vers de nouveaux horizons. Alors, essayons de dire le nom de cette ville. Onoa. Non, c'est quoi ça? Regarde, quand je trouve des balles, je te le rends pas. Mais non, je m'en branle. Ça va un coup. Dis, Cyril. Cyril. Achète un coup. Cyril, est-ce que tu peux me rendre mon McDonald's? Je veux juste le tester. J'ai trouvé des balles sur la voiture, je les ai vues. C'est bien parce que tu me fais peur avec ton sporteur. Putain, Carl, l'airstrip. Ouais. On y va? Il est où? Attends, j'avais mon autre anti, 5 secondes. En plus, il est allumé le. Moi, quand mon chat est. Les gars, il y a une antenne là au Vénère, on va voir si c'est trane. Attendez, mais c'est BFM TV. Là, il y a quelqu'un qui regarde, il se fait what? Waouh, cette vue est vraiment jolie, mais j'avais rien à voir les. Souris là. Là, je suis con. Alors là, j'ai allumé mon autre anti, je m'ai pas branché à souris, j'étais comme ça, je suis à souris là. Ah ouais, mais du coup, il me faut internet. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Je marche en mode badass parce que j'ai pas assez de sport. Non, moi perso, je suis un groupe 1 donc il court en diagonale pour pas se fatiguer. Alors qu'en vrai, si tu cours en diagonale, tu te fatigues encore plus. Ah ouais, tu cours en diagonale, tu te fatigues pas. Waouh. Alors c'est Canal Plus ou BFM TV? Ah, c'est ni l'un ni l'autre, c'est France Inter. Ouais, j'ai compris l'esprit des Anglais et tout là. Ah là, direct, je comprends là. Attendez. Je comprends pourquoi ils sont comme Mais on a une putain de vision en fait ici. On a une putain de vision panoramique. Attends, je vais tenter de monter. On dit vu qu'il y a pas de vision. On a une putain de vision ici. Tu te rappelles la dernière fois que tu as essayé de monter en hauteur? Ouais, t'inquiète. Tu te rappelles les dernières fois parce qu'il n'y a pas question. Dans la grange maudite. Ouais, trois fois tu montes dans la grange, Carl. Il m'a fait. Il est où, Babou? Moi je suis en train de monter. Oh, vas-y, t'es pas sérieux, vas-y, monte en haut, je vais pas descendre. J'arrive. 7 FPS, ah putain, oh là là là. Ah, vas-y, il monte. Il est pas sérieux. Il y a quelqu'un, il arrive en bas, il vous allume d'en bas, tu vois. Tous morts, dead. Bon, alors je vais voir. Doucement. Oh là. Toshi, t'as eu peur. Je suis enfermé dans le. Je vous descends, moi. Ça fait peur. Ouais, vous êtes vraiment des petites merdes en fait, hein. On a failli mourir avec toi. Vous avez failli mourir de que dalle. J'arrive pas à monter, il veut pas monter mon corps. Mais oui, c'est pour ça, descend, tu risques de chuter. Mais non, c'est trop con, il faut vous mettre derrière l'échelle pour grimper et tu fais. Waouh, comme c'est beau.
Ah oui. Eh, je vous vois, vous êtes tout. Oh là là. Je vous vois. J'étais en train de viser quelqu'un. D'accord. Je vous vois, vous êtes tout petit. Non, non, ça marche pas. D'abord, redescends. Je vous vois, vous êtes tout petit. Tu vas mourir. Eh les gars, je vois, vous êtes tout petit en bas. Les gars, je mets la map. Ouais, bah écoute, mon personnage est handicapé, il sait pas monter les échelles. Moi non plus. Vous ratez vraiment quelque chose. Attends, viens, Babou, ici. C'est vraiment beau. Ouais, viens. Ouais, prends le sauteur et tire le dessus. Attends, vous voulez sortir les pétards? Ah, il est là. Il y a des trucs en haut ou pas? Ah ouais, il y a tout de malade. Trois sporteurs et tout. Il n'arrive pas à... Quoi? Ah, c'est bon. Putain, on est juste en dessous l'airstrip. Bah, on peut pas être en dessous l'airstrip vu qu'on est dans le point le plus culminant. Le point, là. Tu vois pas? Allez, go. Alors, les gars... Carl? Alors, il y a un petit bug du début, hein. On va se calmer. Ah oui, je vois. Ah ouais, d'accord, avec les points, toi tu vas aller. Ah, c'est bon, j'ai des dons de téléportation. Alors les gars, là je pense qu'on va pas y aller comme des en mode à la mode enfin, on va pas rush comme des. Quand j'ai les go. Yolo. Quand j'ai les go. Où ça? Non, j'ai cru que c'est un arbre. Attends, le camion. Où ça, y a un camion. Je l'entends les gars, on le défonce. Ouais, on le défonce, on le crève les pneus. Je l'entends aussi. Putain, je le vois, il part, laisse tomber les gars. Ah oui, je l'ai vu partir. Babou, tu as le modding? Ah, il est parti vers la gauche. Ah, il est parti. Babou, évite. Les gars, il y a de l'activité dans l'air strip, alors ça veut dire. Ça veut dire on fonce. Ça veut dire on va se faire buter. Ouais. T'imagines, qu'est-ce que tu fais quand il est en train de, il s'amuse à looter l'airstrip, on le défonce, imagine. Cale une balle dans la tête du conducteur. On fait comme dans les films d'horreur, on se sépare. Ouais. Non, mais là, oh mon dieu, j'ai entendu un bruit suspect dans cette porte, ouvrons-la. Séparons-nous. Séparons-nous. Là, il y a un stade qui fait what. C'est pas vrai. Par où on sort là? On sort pas, on est piégés. Il fait allez, qui veut faire la chasse au lapin? Ah, venez ici, j'ai trouvé une entrée. Le mec, en fait, il a piégé le lapin géant, quoi. Attends, oh, c'est un mec qui t'attendait de l'autre côté de la paille, ça c'est pareil. C'est marqué Can Note, Load, bien ouais, sûr. Ah ouais? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre PC ne peut pas se charger. Putain, ce mec c'est un génie, c'est un prof d'anglais. Un prof d'anglais né. Prof d'anglais, tu vois. Prof d'anglais né. Putain, sérieux, je reviens. Joseph qui revient, regarde où il se met. Putain, le mec il se met au vide. Comme la porte. Le mec il est dans la street, je reviens. Et les gars, l'humour de Joseph, on commence à me contaminer, c'est direct. Chacun une fenêtre. Chacun une fenêtre, c'est bien sûr tu es par un sniper. Attendez, mais là, mais en plus, il s'est mis un seul endroit dans tout le truc où il peut se faire choper par la fenêtre. Ouais, c'est clair. Où est des balles? 22,50. Non, c'est des merdes. Viens, t'es où? Bon, Cyril, on va pas t'attendre toute la journée. Moi, j'ai des gosses à nourrir, faut ramener la bouffe là. Allez, on y va. Et quoi? Là, les. Ah non, c'est un casque. Je crois que c'était les trucs blancs là, anti-infection. Là. C'est ma bouffe! C'est moi! Non, vas-y, prends-la! Vous êtes où? Bah, on est dehors sur les camions qui sont sur la. Là, en fait, on est en plein milieu de la piste. En plein milieu, hein. Genre, plus en plein milieu, tu peux pas. On est en plein milieu de la piste. Ah ouais, putain. Putain, les mecs, ils prennent pas du tout des risques, quoi. Oh, y'a une bonbonne à gaz, bah, oh, putain, tu. Ah! 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 Non, j'aime pas. Quand même pas, parce que là, franchement, ça serait trop peut-être quand même. Vous allez tirer ou pas? Parce que je m'accroche, c'est pas mal franchi, quoi. Non, y'a rien là, c'est rien de foutu ici. Il veut un peu de bouffe, tenez. Car il y a un tank. Tenez. Ouais, je sais, j'ai vu le tank. Il appartenait à ma grand-mère. Il appartenait à ma grand-mère. Mais il appartenait à ma grand-mère ce tank. Je vous ai jeté de la bouffe ici. Réparer ce tank. Non, chérie, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a bien plus fort. On a carne. De la bouffe. On a bien un PM113, non? Et un MP5K. Oh non, ils ont renversé les casiers. Et les enfants. Ils ont fait ça. Oh. Je sais pas, mais celui qui a renversé ses étagères est vraiment, vraiment pas gentil. Vraiment pas gentil. Regarde, et le pire, il est encore en liberté. Il est encore en liberté, ces gens-là, ils devraient être pendus. Oh, il court. Regarde, imagine, tu fais poursuivre par un zombie, tu te prends l'étagère dans les pieds, comment tu fais? Ah ouais? Personne n'y pense? Ouais. Personne n'y pense? Regarde, tu cours, tu fais. Après, c'est une fracture, et puis voilà. Et ben voilà, je vais voir dans ce petit. Oh, la Bible! Oh, prends-la! Oh mon dieu, c'est les. Oh, c'est le Nouveau Testament en plus, c'est pas l'Ancien! Mais Carl, il y a une AK-74 juste à côté. Je m'en fous, Simon. Où ça? C'est une blague. Bon, allez, donnez-moi, j'ai un book cargo pants. Enfin, un grain cargo pants. Merde, j'ai arraché une page. Oh là, les balles de Skies. Oh putain, j'ai arraché encore une page. Pride and Prejudice. Oh, ça a l'air vachement bien. C'est de qui? C'est de Jane Austen. D'accord. Oui. J'ai écrit sur le petit papier là. Oui. Ah, sur le petit papier? Bah non, mais. Ah non, mais écris notre histoire. Tu dis qu'on est des survivants venus du Nord. Nous sommes des survivants venus du Nord. Karl est notre chef. Ah, Cyril. Jour 15, Karl a pas laissé me manger le bras. Il a ensuite arrêté lorsqu'il a compris que je n'étais pas comestible depuis pas mal de temps. Pourquoi t'es pas comestible? Je ne sais pas comment le cannibalisme de Karl m'a évolué à l'échelle de tirer à l'air. Donne-moi le stylo, je vais... Je sais pas où il y a le stylo. Je vais rayer tous ces propos mensongers.
Jour 15, car jamais elle essayé de me manger le bras. Mais c'est là, j'ai vu, ça, on le connaît. Jour 15, car elle essayé de me manger le bras. J'espère tout ira bien. Nous sommes dans la famille depuis 3 jours. Cyril étant très con et très gourmand, il a tout mangé. Heureusement, car le chef de l'équipe a trouvé de quoi bouffer. Il a mis à la bouille de Cyril, le connard, voulant se rebeller contre lui. Il était trop puissant et trop fort, je l'admire. Ces notes sont mes derniers mots, car j'ai parlé mal de lui. À présent, je suis enfermé. Je l'entends. Il arrive, il est sorti. Je ne peux rien. Vas-y, passe-moi le crayon. Bah non, allez, c'est bon, c'est bon. J'ai froid. Ah oui, ouais, mais on l'aidera plus tard. Allez, viens, on se casse. Je garde la note. Tu gardes la note. Je garde une page vierge, comme. Oh. Eh oui. J'ai un gros stylo si elle veut. Sophia, c'est absolument pas drôle. C'était pas drôle, tu rigoles pas. C'est dingue, c'est fait depuis 1948. Viens, on va à la ville. Là, mais non, on va vers la mer. Mais non, viens, on va à la ville. On s'en branle. Mais il nous faut des balles pour 1900. Mais non, on va rejoindre Lucas. Lucas, il est bien meilleur que vous deux. Alors, une fois qu'on le retrouve, je vous abandonne tous les deux, ok? Je vais plus vite que Karl. Mais non, t'as plus vite que Karl. Eh, c'est parce que je suis blessé à la jambe, c'est pour ça, sinon moi, je vais beaucoup plus vite que toi. Ouais. C'est parce qu'il a tout mangé. On en parle quand vous m'avez croqué les deux jambes. Hein. C'est parce qu'il a essayé de me manger mon bras. Non, Karl, on en parle, Cyril, c'est un accident. Ça, Cyril, ce n'est pas prouvé, à part dans ta note. Stop! Non. Stop, à partir d'ici! Merde, j'ai trompé le bouton, c'est pas grave. Stop! À partir d'ici, c'est la forêt. On dit qu'elle est tentée. Oh là là là. Bah, je suis mort. Dis qu'elle est tentée. Ouais. Oh. Ouais, j'ai pris une rafale d'accord. Oh putain, on arrive pour te venger. Elle est tentée. Non, mais je suis trop loin, laisse tomber, je vais essayer de respawn près de vous. On arrive pour te venger, on a dit. Vous me suivez dans la forêt, faites gaffe. Il y a des ours. Oh, il y a des ours. Il est énervé, le mec. Mais attention, il y a aussi des cochons sauvages. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais voir qu'est-ce. Qu'est-ce que c'est ceci? Ah, Karl, j'ai ça pour toi. Tiens. C'est quoi? Ah, c'est un caillou. Je sais pas. C'est derrière toi, derrière toi. Je sais pas. Viens là, par terre. Quoi? Eh, je vais y aller, moi, maintenant. Ah, des balles pour moi? Ouais. Mais j'en veux pas, j'en ai trop. Bah, je suis à Bérez. Ah, bah. Oh. Bah, nous, on arrive par la forêt, hein, coupe. L'endroit ouais, où il y a absolument personne. Bah, t'attends à Bérez, je me te fais là-bas. Hein. Mon dieu, qu'est-ce? Attends, il y a un mec qui m'a tué. Vous allez redescendre vers l'électro après, là? Bah, là, en fait, on sait pas trop où on est donc. Moi, je suis Karl, en fait. Donc, sur la côte, pardon. Regardez, on peut voir que la source d'eau vient de cet endroit-là. On peut voir que l'eau est magnifiquement propre. Oui. Beaucoup. Oh, ça fait un S de SS. Waouh. Ça te fait soin. Ça va sur cette rivière. On doit trouver le deuxième S. Cette rivière est hantée. Il doit pas être loin. Et hantée par un ancien ami. Waouh, c'est un champ avec absolument rien dedans. Mais si, c'est une maison là-bas. Tu vois juste le mauvais côté des choses. Tu vois le verre à moitié vide alors qu'il était à moitié plein. Moi, j'ai tendance à voir ça si tu l'as vu dans Shrek, toi aussi. Non, pas du tout. Ah, merde. Non, je connaissais cette expression. Dis que tu l'as vu dans Shrek. Ah, ça c'est moi, comme toi. Mais je vous confonds, vous ressemblez tous, on dirait deux chinois. Eh, ta gueule, l'âne. Surtout que vous ressemblez absolument pas, t'as un putain de masque à gaz, t'as un gros casque de moto, on va pas du tout se déchirer ou pas. Non, moi je suis un blague. Regardez. Oh, regardez, j'ai trouvé une route. Oui. Regardez, cet arbre a poussé sur un gros rocher. Pourquoi? Des racines qui dépassent. Genre, c'est possible, ça t'arbre, vrai. Des aides, c'est le jeu de la réalité, alors tu te la fermes. Regarde. Enfin, ce petit buisson a plus de 200 ans. Enfin, moi je peux à votre droite, vous pouvez voir un petit buisson. Moi je peux pas, je suis jamais allé dehors en fait. Moi le monde extérieur je connais pas. Là je découvre la nature en fait. Tu aimes ça, Timothy? Tu découvres la Russie. Ah pourquoi en France c'est pas pareil? Mais non. Ah, regardez, il y a un tournant assez serré, c'est du 50 degrés, alors va falloir faire gaffe de pas se retourner. T'as un camion? Non, mais d'où on a dit. Travaille. Eh, hey, Robert, je fais crisser les pneus. Eh, hey, je fais grincer les bottes militaires. Eh, hey, Robert, je fais crisser les pneus. Mais... Allez, c'est ça les gueules. Eh, hey, je fais ronronner les jambes là, ça ronne. Hein. Eh, hey, Robert, ça sent la gueule. T'as dit, ça sent autre chose, non? Ça sent la jambe, j'allais dire. Non, ça commençait par va, ça finissait par je, non? Non, j'ai dit ça sent la jambe. Et après ouais. Ça sent la gueule. J'y crois pas trop. Moi aussi, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que Cyril, c'est un groupe pervers. Croyez pas tout ce que vous voulez. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas tout ce que je veux. Je crois pas tout ce que je veux, d'accord. Un ours. Attendez. Une mine. Oui, c'est récent. Oui, il avait des puces. Allez, on y va. Une petite cabane là-bas. On pourra peut-être nous sauver. Attendez, il y a une caisse.
Ma mère est morte à cause d'une caisse. Je ne suis pas très confiant. Lucas. Oui. La mer, c'est est, ouest, parce que là, on est en Russie. C'est sud. Sud, ok, super. Alors, on va voir si on va vers la mer ou pas. Il là, Babou, la moment de vérité. Techniquement, la côte de là où t'es, tu la vois, en fait. Hein. T'as qu'à aller à l'horizon, en fait. Bah, attends. Oui, t'as dit quoi, sud? Ouais, non, oui, c'est sud. Ok, c'est bon, on va au sud, suivez-moi. J'ai le compas. Mais si vous étiez à l'airstrip, non, c'est pas compliqué de s'orienter vers la mer, tu vois la mer de l'airstrip. Oui, mais nous on est biglés, ok? Alors, on va prendre le compas de Jack Sparrow, je vais faire confiance. Excuse-moi, mais. Cyril, la mer c'est là-bas. Et va pas plein sud, hein. Tu manges quoi, Cyril? Tu m'en prêtes un peu? Bon, on va faire un vote démocratique, on va à droite ou à gauche? Ok, on va à gauche, allez. Non, ok, c'est bon. Si la plage c'est vers là-bas. Ah, je vois la plage! Regardez là, une carte. Oh, je vois, attendez, c'est pas là où il y a le bateau échoué? Je crois, ouais. Vous êtes à quand même encore. Bah, si il y a le bateau échoué, c'est qu'on est. Il y a la route! Bah, le bateau échoué, nickel. Bah, il y a la route! Bah, je connais pas la route, moi je connais que les trucs en terre. Oui, il y a un joueur. Vous voyez le bateau échoué ou pas? Vous voyez le bateau échoué? Non, mais on va un gros rocher. Pourquoi tu y es, Lucas? Non, mais si vous êtes au bateau échoué, je vous dis comment aller à Bérez, ça va en deux. Oui, non, on se reconnaît. Oui, on a un bateau échoué. Oui, ah oui. Affirmatif. Affirmatif, allons, il y a un joueur, je vais voir ce qu'il a. On va aller à Bérez, affirmatif. Par contre, Carl, moi je vois quelqu'un, pas de pitié, hein, tu le sais. Mon dieu, ils ont mal garé le bateau. Attention, on demande qui c'est quand même, parce que si c'est moi. Non, t'inquiète, ils ont mal garé le bateau. Ouais, c'est vrai, là. Il y a tous les conteneurs par terre et tout, là. Je pense que le pilote. Enfin, le pilote était un peu bourré. Des balles. Ma grand-mère était pilote d'essai dans les bateaux. Je vis pas. Soit je prends le risque et j'essaie de tuer le mec. On voit Bérez. Moi je me casse vers vous. Le capitaine était le même que celui du Costa Concordia. Mais venir à la sortie de Bérez, ça veut dire que je vais pas tuer le mec. C'est un choix de petite bite, ça. Tue le mec, viens. J'ai un pompe, mais j'ai pas de balle. Mais il a pas de casque, donc au pire je peux le tuer avec mes poings. Ah, j'ai un couteau. Ouais, ça peut aussi quand même. Oh, il y a des traces de pas. Attendez. Mais je crois qu'il a une arme parce qu'il est dans ma couture. Grosse boîte dans la. Non, je m'y connais, mais en trace de pas, c'est pas des traces de pas du Maza. Attendez, je suis la trace de l'ours.